Cette rencontre entre le Premier ministre polonais Donald Tusk et son homologue ukrainien Denis Shmigal était longuement attendue. Les deux pays sont confrontés à la colère des agriculteurs polonais qui avait débouché sur une crise diplomatique. Ce jeudi, Donald Tusk a salué l'avancée des pourparlers, espérant mettre fin au blocage des agriculteurs. Блокада українського кордону з боку польських окремих польських груп, звісно ж, шкодить економіці Польщі, економіці України та Європейському Союзу в цілому. Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад. Наш план виконується не так швидко, як би хотілося, але однозначно маємо позитивні тенденції. Depuis février dernier, des agriculteurs polonais bloquent des postes frontières avec l'Ukraine pour protester contre la concurrence jugée déloyale des denrées affluant du pays en guerre. Depuis 2022, les produits alimentaires ukrainiens sont exemptés de droits de douane par l'Union européenne. Varsovie réclamait un plafonnement des céréales ukrainiennes après leur avoir appliqué courant 2023 un embargo unilatéral défiant Bruxelles.